Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler d'une box que j'ai testée via Octoly. Cette box s'appelle le Closet Illimité. Alors, je vous explique un petit peu le concept avant de vous montrer ce qu'il y a dans la box. Tout d'abord, c'est une box que vous payez 49 euros par mois. Je vous mettrai un code promo, vous le verrez ici. Avec ce code promo, vous aurez 10 euros de remise sur la box, donc vous la toucherez à 39 euros au lieu de 49 euros. Cette box donc s'appelle le Closet. C'est une box en quelque sorte de location de vêtements. Donc vous allez recevoir en fait une box avec 3 vêtements et 2 bijoux que vous pouvez porter de façon illimitée dans le courant du mois. Une fois que les vêtements, vous les avez assez portés, etc., vous voulez les renvoyer donc dans le mois. Vous avez une enveloppe comme celle-ci, donc qui est fournie dans la box, avec déjà le retour, puisque le retour est gratuit, pour renvoyer les vêtements que vous souhaitez renvoyer. Si certains vêtements de la box vous plaisent, vous pouvez les acheter. Donc les bijoux, j'ai demandé, c'est entre 15 et 30 euros. Et les vêtements, c'est entre 50 et 100 euros. Donc en gros, soit rien ne vous plaît, vous renvoyez et vous renvoie 3 vêtements et 2 bijoux. Soit un ou deux vêtements vous plaisent et vous les gardez, vous renvoyez ceux qui ne vous plaisent pas, ils vous en renvoient d'autres à la place. Donc voilà le système de la box. C'est sans engagement. À partir du moment en fait où vous renvoyez tout, l'engagement s'arrête. Hein, donc il n'y a pas d'engagement illimité. Enfin voilà, vous êtes pas, vous payez pas 49 euros par mois pendant 1000 ans. C'est vraiment juste au moment où vous voulez arrêter. Et si des vêtements vous plaisent vraiment, vous ne voulez pas les renvoyer, bah, vous pouvez les acheter et vous demandez simplement le prix au Closet de savoir combien coûtent les vêtements. Donc moi, cette box m'a été envoyée via Octoly. Je n'ai pas fait le questionnaire de pré-remplissage. Ils m'ont envoyé, je pense qu'ils ont dû regarder mes vidéos, et ils m'ont envoyé des vêtements et des bijoux en vue des hauls que je pouvais faire sur ma chaîne. Parce que ils se sont pas trop trompés par rapport à mon type, à ce que j'aime porter, hein, par exemple. Il faut savoir qu'actuellement, ils ont à peu près 1000 abonnés. Donc voilà, ce qui est plutôt pas mal, je trouve. Hein. Il y a 1000 personnes qui, tous les mois, reçoivent leur box. Et enfin, la dernière chose que je voulais vous dire, bah écoutez, c'est tout. Donc je vais vous présenter la box, comment elle se présente. Donc je l'ai reçue comme ça, c'est un carton comme celui-ci. C'est marqué l'élégance est la seule beauté qui ne disparaît pas. Vous avez un petit pochon avec la box. Il y avait 2 petits pochons comme ça avec les bijoux, dont un que je porte sur moi actuellement. Je vais vous montrer un petit peu mieux. Donc voilà, c'est pour vous dire que ça, c'est un petit bijou que j'ai bien aimé. C'est un petit collier. Et vous avez également un petit bracelet. Donc moi, c'est un petit peu moins mon genre. Mais voilà, si jamais j'étais abonnée à cette box, je pourrais très bien la renvoyer et puis il me renverrait un autre bijou à la place. Donc je vais vous montrer quand même à quoi ressemble le petit bracelet. Donc il est comme ceci. Donc voilà, ensuite dans la box, donc il y avait 3 articles de vêtements. Donc moi j'ai pris taille M et c'est très bien, c'est parfaitement la bonne taille. Donc pour rappel, je fais un 40. Donc la première pièce est celle-ci, donc je vais vous porter tous les vêtements hein, pour que vous puissiez vraiment voir à quoi ça ressemble. Donc c'est une petite marinière effet dentelle avec un petit lacet dans le dos que je trouve très très joli. Et c'est vraiment mon coup de cœur de la box, c'est le produit que je vais garder. Ensuite, vous aviez une petite robe, donc pareil en taille M, avec cette petite encolure en espèce de crochet que je trouve très très jolie. Moi, j'aime beaucoup. Et qui se termine après comme ceci. Donc c'est pareil, je vais vous montrer les vêtements portés. Donc ça, pour ma part, c'est une coupe qui ne me va pas très bien, puisque c'est une coupe avec la ceinture qui descend un peu sur les hanches. Et c'est tout à fait le genre de coupe qui ne me met pas du tout en valeur. Moi, il faut mieux que la ceinture soit sur la taille pour bien cintrer ma taille. Donc voilà, vous ne pouvez pas savoir, hein, malheureusement. Et enfin, la dernière pièce, c'est une petite robe qui est plutôt mignonne, qui se présente comme ceci, avec un effet ajouré dentelle devant, ceinturée à la taille et qui se termine comme ceci. Donc là, c'est vraiment la petite robe noire, très mignonne. Donc pareil, je vais la porter, vous verrez un close-up pour que vous puissiez vous rendre compte par vous-même de ce que ça donne sur moi. Alors, qu'est-ce que j'en pense réellement? Je trouve que le principe
le concept n'est pas trop mal pour les gens qui ont envie de changer régulièrement, qui ont envie d'avoir des tenues adaptées en fait à une soirée particulière, etc. Moi, je sais que pour ma part, j'aime beaucoup garder les vêtements et je préfère à la limite les revendre si je ne les mets plus. C'est ce que je fais très régulièrement. La deuxième chose, je trouve que c'est un petit peu cher à l'achat puisque les produits... Alors pour les bijoux non, parce que ça entre 15 et 30 euros, honnêtement ils font très très bonne qualité. Hein, ce petit collier, c'est un petit collier que vous aurez pu largement payer 15 euros sans problème. Le bracelet c'est pas mon genre, mais honnêtement il fait bonne qualité, hein, on dirait pas, c'est pas du H&M je veux dire. En revanche pour les robes, voilà, pour moi c'est pas une robe qui vaut entre 50 et 100 euros, mais ça, ça reste mon avis. D'ailleurs je vais regarder la matière parce que voilà... dans ces tarifs-là, on n'a pas forcément envie d'avoir des matières un petit peu synthétiques, hein, mais je pense que c'est du synthétique. Bah, écoutez, il n'y a pas d'étiquette. Voilà, bon, elle est très mignonne, mais voilà, c'est pas une robe que je paierais 100 euros. Enfin, en tout cas, pas plus de 50 euros, c'est plutôt une robe que je paierais, voilà, maximum, vraiment maximum 50 euros. Et celle-ci également, bien que je la trouve vraiment très très mignonne. Hein. Franchement, elle est super mignonne. Voilà, j'ai pas le prix exact, elle m'a juste dit que les vêtements c'est entre 50 et 100 euros. Donc si vous voulez, ce que j'ai bien aimé sur ce concept, c'est qu'on vous envoie des vêtements voilà, que vous pouvez ne pas avoir vu en magasin. Et effectivement, j'ai pas vu les mêmes vêtements en magasin. Par contre, je suis un petit peu dubitative sur le fait de devoir renvoyer à chaque fois. Mais honnêtement, voilà, cette marinière, c'est vraiment mon coup de cœur de cette box. Je la trouve vraiment hyper mignonne. Donc, je sais pas, je suis mitigée. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si c'est un concept que vous pourriez, aimer. Alors, sachez que moi, j'ai quand même été par curiosité sur le site, que je trouve extrêmement bien fait. Et en fait, ils nous demandaient de sélectionner les vêtements ou les bijoux qui pourraient nous convenir pour se donner une idée. Après, vous mettez votre taille, etc. Et puis ensuite, ils vous envoient une première sélection. Donc, ce qui est bien, c'est que vous mettez quand même ce que vous avez en favori, quel est le type de vêtements que vous aimez porter, etc. Donc, je pense qu'ils ne se trompent pas trop quand ils vous envoient la box. J'ai envie de dire, comme il n'y a pas d'engagement, à tester pour 3-4 mois. Donc, ça voudrait dire 49 euros par mois, ça pourrait coûter 200 euros. Sachant que effectivement, moi, quand j'achète un vêtement et que je le revends, bah, je perds de l'argent, hein, forcément. Donc voilà, c'est à voir. À tester. Dites-moi ce que vous en pensez de ce concept. En tout cas, voilà, les vêtements sont très mignons, la sélection était très mignonne. La qualité est plutôt bonne, même si j'estime que voilà, les vêtements ne valent pas entre 50 et 100 euros. Voilà, ça pour moi, ça ne vaut pas entre 50 et 100 euros. Mais voilà, ça ne reste que mon avis. C'est une qualité qui est quand même un peu au-dessus d'H&M, mais bon, qui est un peu entre Zara, entre H&M et Zara, quoi. Voilà, c'est pas du Sandro ou c'est pas du Maj, même si Sandro et Maj est beaucoup plus cher. Sinon, l'emballage est plutôt bien, la livraison est assez rapide, et puis c'est pratique de faire cet envoi parce que vous avez juste à déposer l'enveloppe dans une poste, donc finalement, il n'y a pas à s'embêter pour renvoyer tous les éléments. Donc voilà un petit peu ce que je pense de cette box. Je vous mettrai le lien en barre d'infos pour pouvoir vous rendre sur le site. Je vous mettrai mon code promo pour que vous puissiez bénéficier de 10 euros de réduction sur cette box si ça vous tente de la tester. Hein, pour 39 euros, je trouve que c'est plutôt sympa de la tester pour un mois. Et puis n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez testé cette box et ce que vous en avez pensé. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu et en attendant je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.